Bonjour ma petite soeur, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un petit peu de la palme que j'aimerais bien lire cet été jusque septembre. Enfin j'espère y arriver. Bon maintenant j'ai mis beaucoup trop de livres, je lis pas vite. Du coup on verra, mais j'essayerai de piocher dans ces livres là. C'est les livres qui me donnent plus envie, on va dire ça. C'est les livres qui me donnent très très envie. Du coup on va commencer par un petit jeunesse. Je vais retirer le petit fleuri machin là. C'est La Revanche des Princesses. Voilà. C'est plein de noms d'éditrices avec plein de petits dessins dedans. C'est un dessin graphique. Voilà. Du coup, j'ai envie de lire ça. Voilà. Je ne sais pas ce que ça parle. Ça parle de princesse, je sais. Voilà. Mais comme j'en ai quand même pas mal à vous présenter, je vous parle pas tout. Tous les résumés. Mais celui-là, j'ai pas envie de lire le résumé, j'ai envie de le découvrir. Du coup, on va commencer par un autre que j'ai envie, mais très envie. Il me donne envie de lire là même maintenant. Enfin, tous ceux qui sont là, j'ai envie de les lire là tout de suite. C'est Monsieur. C'est écrit par les éditeurs de 50 nuances de Grey. Je sais même pas je sais pas de qui c'est. Enfin soit, il me donne très envie. Tout le monde m'en parle. J'en ai vu beaucoup en parler. Du coup voilà, il me tente vraiment 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 beaucoup. Après, celui qui me tente aussi, qui est un peu plus petit et écrit plus grand dedans, c'est Un petit pari entre amis de Anteria Mora. Voici, il est trop beau, j'aime bien la couverture. Et si dans ce que j'ai compris, en fait, c'est la fille là, elle a eu le cœur brisé, et enfin, ça c'est son meilleur ami, si je me rappelle, depuis son premier amour, elle a le cœur brisé, voilà, mise à mis au point comme 6 commandements, ouais, elle veut pas passer des 6 commandements, des règles, comme pas coucher avec son meilleur ami, et tout le bazar, il est plus petit. Du coup, il me tente bien aussi. Je pense que je vais lire ça cet été. Voilà. Après, ce qui me fait... depuis que je le lis, que j'ai envie de trop le lire, c'est Débutante. Début. Voilà. De chez Hugo Roman. Ouais. Il me donne très envie. La couverture est... Oh, j'adore. Il y avait l'autre. Je voulais le prendre en poche. Mais la couverture de poche est moche. Mais très moche. Du coup, j'ai pris le grand format. Et il est très beau. J'aime bien le style... cette couverture. Après, celui que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, c'est Méfie-toi de nous. Lui, il me tente beaucoup. De Juliette Lebonne. Je sais pas comment si ça se dit. Par contre, celui-là, il écrit tout petit. Du coup, j'ai un peu peur pour celui-là. Mais il me donne très envie aussi. Du coup, voilà. Et c'est quand même un plus gros pavé. Et moi qui lis pas beaucoup. Vite. Après, il y a celui-là que j'ai vu parler par je sais plus qui son nom, mais enfin, soit un youtubeur aussi. On n'en parle pas beaucoup. C'est The Lop. Ouais. Geek aussi ont droit de tomber amoureux. Du coup, voilà. Si j'ai bien compris, c'est Tricia qui travaille à la créatrice de jeux vidéo. Et elle est en colocataire avec le petit jeune homme-là. On voit sur la couverture. Et lui, il est écrivain, je crois, un truc comme ça. Si je ne dis pas de conneries. Et il va avoir un petit romance dedans. Voilà, tout le monde dit qu'il est pas mal. Voilà, et il écrit quand même assez moyennement, je trouve. Du coup, voilà. Celui qu'on entend pour le moment sur toutes les plateformes de livres, c'est celui-ci. Celui-là, il me tente. Je crois que ce serait la prochaine, enfin non, pas une petite des prochaines lectures. Je pense que si je me fais un petit séjour à la mer, c'est celui que je prendrai en premier. Grey et Eleanor de chez Hugo Roman, New Romance, de Brigiati, je sais pas quoi le nom. Les noms parfois sont compliqués, mais ils me tendent beaucoup. Bon, et la couverture elle est belle. Voilà, là l'orange est trop belle. Celui que ça fait un moment que j'ai dans ma palle, que j'avais vu par Thibou, je sais pas comment, j'arrive jamais à dire correctement, c'est La Voleuse de Livres.
Il me tente beaucoup. Maintenant, c'est pas une romance. Je lis plus de romances. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est leur histoire. Je crois qu'elle lit les livres et puis elle vole pour les lire. Si je me rappelle bien. Du coup, voilà. Ça me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, ce que j'ai vu aussi et que tout le monde en parle, qu'il a l'air pas mal, c'est un plus petit livre. C'est 1000 baisers pour un garçon de Till Cole. Ça par contre le livre de poche, voilà, il me tombe bien, la couverture est très belle aussi. Ça aussi je crois que c'est celui que je me ferai bien quand si je pars à la mer. Il est trop beau, trop beau, trop beau. Voilà, après je vais lire une Calling Over aux éditions New Roman. Jamais plus. Celui-là aussi, les couleurs sont trop magnifiques. J'adore. Je l'ai vu passer par tout le monde, il paraît qu'il est magnifique et du coup il me tente vraiment bien. Je vous lis pas les résumés parce que j'ai pas envie de... J'ai tellement entendu parler sur tout ce qui est YouTube, enfin YouTube, Instagram et tout ce qui s'ensuit. Du coup j'ai plus envie d'avoir les résumés dans ma tête vraiment pour me plonger dans ce livre sans aucun souvenir. C'est beaucoup mieux comme ça. Même si parfois j'ai envie d'avoir un petit résumé joli. Mais là j'ai vraiment pas envie. Et les couleurs. En plus j'adore les orchidées. Et oh, elle est trop belle. Voilà. Après ce que j'entends parler et que tout le monde dit qu'il est fabuleux comme livre. C'est Frangil. Celui-ci. Il est trop beau aussi. J'en ai vu parler hier soir. Du coup je n'ai pas envie de me rappeler du résumé. Je ne sais plus. J'ai dormi depuis lors, j'ai oublié. Mais c'est Kat, si je me reviens, c'est Kat qui écrit et je sais pas si elle est locataire. Enfin, non, elle travaille. Enfin, si je me rappelle bien, elle est avec sa sœur. Sa sœur ou sa... Oui, c'est sa sœur ou sa jumelle. Je sais plus si c'est sa sœur ou jumelle. Et elle va déménager pour aller au lycée. Je crois que c'est un truc comme ça. Et bien sûr, bah, elle va se retrouver toute seule pour écrire. Et c'est sa première fois seule. Et celui-là, il écrit quand même assez petit, je trouve. Du coup, voilà. Ils me tendent beaucoup, beaucoup aussi. Après, je vais laisser les trois coups d'eau que j'ai envie de lire encore plus que les autres. Le parfum de l'amour de Michel Lafon aux poches. Le parfum d'amour, il est beau aussi. Ça, je l'ai vu sur mon groupe Starklo. Moi et l'anglais, c'est deux. Je me rappelle plus. Bon, celui-là, je pense que je vais lire très tard. Du coup, je peux lire le résumé après tout ce que j'ai envie de lire là. À 16 ans, je lis. En fait, non, j'ai pas envie de. Tomber amoureuse ou pleine. Si je comprends, il y a un truc avec des potions. Parce qu'en plus, j'ai le reflet de ma fenêtre et mon merde. Tomber amoureux, pleine de perdre à jamais son don de l'amour, mais qu'il est plus fort que et la puissance de la magie. Si elle se retrouve juste sous son nez. Bon, il y a un truc de magie, si je comprends. Elle va tomber amoureuse avec de la magie, je sais pas. J'ai pas trop envie de... Il me donne trop aussi envie. Je sais même pas comment faire pour choisir. Celui-là aussi, je crois que je l'ai vu sur mon groupe Instagram. Enfin, mon groupe Facebook. Je vous mettrai en commentaire si vous voulez nous rejoindre. C'est amoureux. Amoureux. Amoureux des livres. Les amours de la lecture. Voilà mon groupe, si vous voulez rejoindre. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Peut-être que j'ai diminué un peu la luminosité. Comme ça, ouais. Comme ça, vous allez peut-être un peu moins les amours du livre. Vous venez dessus et on parle de tout. J'ai même un groupe Messenger que je vous rajoute avec plaisir. On est plusieurs petites, des filles et on parle de tout et de rien. Maintenant, avant on parlait que de livres, maintenant on parle de tout et de rien, de piscine, de débat. Et en plus avec le virus, on a parlé du virus, voilà, on parle de tout et de rien. Ça nous fait du bien et ça nous change les idées. Du coup, je voulais
je sais pas si je vous l'ai montré du coup, au pays des merveilles de c'est l'autre aussi, ah c'est les deux mêmes, Michel Lafon aux poches. Celle-là aussi, la couverture, on voit la jeune fille là, elle est trop belle. Et celle-là, ça parle de chevaux, de neige, Alice et appartient à des couleurs de magnifique aussi, alors que son père est seul, personne avoir cru en elle, disparaître la jeune fille telle qu'elle a seul but de retrouver. Mais cela ne devrait pas exploser, mystère dangereuse contre un peu loin de l'horizon, au pays merveille où rien n'est ce qui n'y croit. La différence de la force. Je ne sais pas. Franchement, là, je comprends pas trop le résumé. Du coup, on verra bien quand je le lirai. Voilà. Après, c'est les trois. Ouais. Deux gros que j'ai envie de lire. Bon, c'est celui-ci. Skin Love. Jennifer Skin d'or. Skin, je sais pas quoi là. Libérez-moi au nouveau, la nouvelle plume. Il est trop beau. Et la matière du livre. Oh, vous savez, le toucher doux là. Oh, j'adore ce toucher. Celui-là, je ne sais plus le résumer. Franchement. Voilà. Je vois juste, celui-là, c'est Anne. Anne. C'est Jennifer en envers. C'est J-E-N-A. N-N-A. Voilà. C'est Jenna. Une trentaine d'années et voilà, mais il paraît qu'il est bien. Je ne l'ai pas encore lu, j'avais gardé le petit bandeau. Voilà, libère-moi. Il paraît que aussi c'est un peu je sais même pas si c'était pas marqué, si je dis pas de conneries, c'est un peu aussi à 51 degrés. Il paraît. Maintenant, je ne suis pas sûre à 100%. Je ne vais pas dire de conneries. Mais voilà. Maintenant, pour mes deux dernières livres que je vais vous présenter pour la palle de l'été. Qu'il s'agit de celui-là, qui est un super pavé. Voilà. Il est beau, le garçon. Voilà. Voilà. Mais il est beau. Il est beau. De chez Hugo Roman. New Roman. Jonah Ruiz. Je crois que ça se dit comme ça. Mise à caisse. Et strap. Métal. Il est trop beau mais gros. Celui-là il me fait peur. Parce qu'il fait quand même plus de 700 pages. Ce serait mon gros. Ce serait le plus gros que j'aurais lu depuis que je lis. Et je lis depuis. J'avais 7. Ouais non. Ça fait 4 ans que je. 4 ans gros max que je suis vraiment dans la lecture. Du coup voilà, parce que je lisais mais pas grand chose, je lisais 300-400 pages quoi, pas plus par mois, parce que je lisais les, je sais même pas, Gueule, je sais plus le nom de la série que je lisais, que mon papa m'apportait. Et celui que je viens de me l'offrir, il me tente, tout le monde en parle en plus. Et quand je regarde dedans, il a l'air trop beau. Triangle amoureux ou pas, de chez Lumen. Maria Kent. Il est trop beau. Lui, j'en sais un petit peu plus. Si c'est une jeune fille qu'on voit juste là, je suppose que c'est elle. Enfin, soit dans le rhumé. Et elle est, elle fait des vidéos. Elle vit sa vie sur internet un peu plus dans sa vie réelle. Elle se donne un nouveau nom. Je sais plus le nom de son. Tali. Enfin, soit. Enfin, elle a. Je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Elle a. Elle se met un nouveau nom pour tout ce qui est Instagram, Facebook et tout le bazar. Voilà. Son nom n'est pas le vrai et du coup elle va se faire passer pour cette fille là sur Instagram. C'est pour ça qu'on dit en triangle amoureux. Et sur ce il y a un beau garçon qui va tomber amoureux de la personne, mais de tout ce qui est sur la Facebook et tout ça.
Et elle ne le connaît pas, elle l'a jamais vu. Ici, elle va le rencontrer, mais si j'ai bien compris, elle va donner le nom, son vrai nom. Du coup, il va être un peu, ça va être un peu un mélange de lequel que je vais prendre parce que c'est un peu les deux mêmes. On verra. Je sais pas plus. Je sais juste qu'elle, elle est tout ce qui est réseau internet, enfin sur internet, et lui va tomber amoureux de celle d'internet, si j'ai bien compris. La meilleure amie internet, Nak, peut lui parler de tout, sauf qu'elle est vraiment le secret qu'elle garde jalousement pour une raison mystérieuse sur les réseaux sociaux. Elle est incapable. Les noms parfois, de l'énergie créative d'un bookstagram à qui ce coup de cœur littéraire inspire des recettes inédites de check cake qu'elle a tout à donc en manque. Ses amis, ses dizaines d'assurances inférieures. Ouais, c'est un peu j'adore le principal. Voilà, de toute façon si vous voulez vous allez sur Amazon, vous marquez le titre du livre et vous allez tout retrouver, tous les résumés. Parce que la plupart des livres viennent de Amazon. Ou de Belgique Loisirs. Belgique Loisirs, Amazon. Club. Parce que lui vient chez Club. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire quel livre que vous voulez que je commence en premier. Moi, je sais pas, je suis perdue. Pour le moment, je suis toujours dans ma lecture en cours et je voudrais bien la terminer. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, parce que je vais faire une autre vidéo qui va être les séries que j'ai envie de commencer à tout prix. Parce que je suis... il y en a deux, trois, c'est une pépite que j'ai envie de lire. Enfin, pour moi, à tout prix. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, comme ça je monte et tout le monde peut me voir. Je sais que parfois mon langage n'est pas très bon, mais je suis désolée. Voilà, je sais tout ce que j'avais à vous dire. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos et ceux qui veulent me rejoindre, je suis un peu plus maintenant sur Instagram. Et mon nom d'Instagram, c'est par là que je dois aller, c'est clochette-du-bas. Tigrou. Voilà. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Ah! Pourquoi tu bouges? Voilà. Hop. Voilà. Clochette Tigrou. Venez me rejoindre. Et on peut parler de la... Et j'ai même mis la... Regardez la poque que j'ai mis. Elle est trop belle. Que je voudrais bien avoir. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis... à une prochaine pour une prochaine vidéo que je vais tourner juste après celle-ci. Bye bye tout le monde.